Et bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dracolo. On se retrouve avec Broudaf et Chomity. Salut à tous les deux. Salut. Et on Salut. a Chomity qui a mis son t-shirt spécial Halloween pour l'occasion. Bon, elle croise un peu les bras là, mais c'est pas grave. Voilà, Tu vois? décroise les bras. Parfait. Regarde, elle te regarde sévèrement du coup. C'est ça. Allez, on démarre. Donc, on était sur notre nouveau monde. Il fallait que j'aille récupérer les camions que vous aviez nettoyés. Hop Bah, là, t'as de c'est quoi faire, y'a. parti. Ah bah du coup il y a un mob juste quand je réapparais. Parfait. Chargé! Bam! 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 Voilà, ça c'est fait. Alors, on va par exemple vers cette île-là, Broudaf, là il y a plein de camions. Ouais. Ici à peu près. Alors juste en deux en speed, je vais virer mon bonnet parce que il fait un peu chaud. Voilà, la casquette. T'es prêt? Ouais. C'est parti. Le mat-tente et le porte-manteau, ça déconne pas quoi. Y a intérêt à nous prendre au sérieux. Allez hop. Ah putain, il y en a une en plein milieu de l'éther là. Ok, What? madame. J'ai poursuivi. Ouais, c'est ce que je vois, ouais. J'ai complètement, sans faire exprès, tourné et du coup, j'ai esquivé le truc, mais c'était tendu, hein. Elle m'a ignoré, elle a foncé sur toi. Attends, j'essaie de choper le chien là. Ouah putain, il y a un peu léger mon arc. Ouais, non, c'est pas possible. Aïe. Si tu veux, merci de manger ça. Ah la vache, elle m'a expédié dans la ronce. Ouh, il y a un beau petit regroupement de camions qui me plaît bien là. Ouais, il y a celui qui est dans la ronce qu'il faut qu'on se fasse là. Qui est dans l'éther. La ronce qui est dans l'éther, à y arriver. Ah, j'avais pas vu, on a débloqué un renforcement de plus. Oui, c'est pour ça que je suis morte et que je suis revenue au camp. Ah, il y avait peut-être plus efficace que mourir avant de pour revenir au camp, Non, mais les deux ont été concomitants. Je voulais revenir au camp et... il se trouve que tu es morte, quoi. Voilà. Pas de chance, quoi. Enfin, du coup, si, chance. Bon, alors l'arc pas vert, enfin l'arc tout gris, c'est tout pourrave, c'est plus la peine de le garder. Je crois que j'ai un arc vert, si tu veux. Bah, t'en as deux. Ouais, j'ai deux arcs. Ah bah écoute, si t'en as un en rab, je suis pas contre, effectivement. Ah non. C'est quoi ça? C'est un arc blanc à 55 de DPS. Ouais, non, c'est pas la peine. Le blanc, là, j'ai essayé. Après, Faut que j'ai des j'inflèche trucs de pour tuer un pistolet à mob. clous vert. Non, j'aime bien l'arc parce qu'il est utile pour sniper les chiens, là. C'est qui s'énerve, là? C'est toi qui t'énerve. Ça suffit maintenant. Ah, Naméo. maintenant, on peut prendre trois renforcements maintenant. Bah oui, c'est ce que disait Chobiti, elle est revenue au camp pour cette raison. Mais bordel. Ça grouille de ronces là. Oh, la ferraille. C'est moi ou il y a un bruit d'embuscade là? Ah non, c'est un nid. Bon, bah, il est déjà quasiment mort. Ah bah oui, il y a un chauve-petit qui est en train de tirer dessus. Moi j'ai essayé de tirer dessus, la flèche est partie dans le vent. Moi je les fais toujours à la main, j'avoue. Ah, moi j'y vais toujours au tromblon. Ça utilise un peu de munitions, mais. Ah là, l'arc que j'ai normalement c'est one shot. Bon bah du coup je peux poser un truc genre là et pouvoir tous les relier. Où est-ce qu'elles sont les ronces manquantes? Je n'ai plus d'égide, mais il y a un petit coffre dans le. Et une voiture Oh la dans les vache. terres. L'arbre Bah en j'arrive plein si tu devant là. veux. Attends, je vais spotter les ronces en attendant. Je.
cet arbre-là. Mais vu qu'il y a une église, il y a probablement aussi... Ouais, il y a un coffre sur l'église. Voilà, donc là on a un chemin complet. Et donc du coup c'était l'île d'à côté où il y avait des trucs. Bah je vais y aller en speed. On a terminé cette île de toute façon, non? Ouais. On l'a terminé. Bah là où on est, il y avait un coffre, t'as peut-être un truc pour toi, le signe. Ah, alors j'arrive. C'est quoi, de la distance ou du corps à corps? J'ai rien. Non, on n'a rien eu. Ouais, mais je veux dire, potentiellement, t'as peut-être un truc pour toi, quoi. À côté de l'église. À côté de l'église, d'ici, je vois rien. Bah là où il y a Chobiti. Non, je vois rien du tout. Mais sinon, faut aller à l'église. Ah, mais il y a un coffre, hein. Par contre, je vois qu'il y a un coffre au-dessus, là, vous l'avez pas pris? Bah non, il y en a d'autres par là. Un coffre au-dessus? Mais j'ai pas ce qu'il faut. Eh ben écoute, allons-y. Allez, go. Faut la contourner par la droite. Mais courez pas n'importe où! Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je peux pas non plus vous suivre tous les deux. Ah, Chobiti, c'est bon, t'as réussi. Celle-là, on peut la grimper. Hey, j'ai trouvé un short. Oh! Ah, cool. Tu dis qu'on peut grimper comment, sur les ronces? Non, ici, vu que le toit il les repente. Une hachoire de chef. Ah oui, il y a un truc là. Ah oui, un hachoire de chef, j'avoue. Ah, il était commun à tout le monde. On peut pas monter sur le clocher. Ah non, mais je disais par rapport au fait que j'étais dans l'égide. Ah, que t'étais dans les terres, oui, ok, d'accord, oui. On l'a vu, ouais, que t'étais grimpé. Je me doute bien que t'as pas sauté. Tu disais qu'il y avait un autre coffre? Il y a une voiture, une île avec une voiture là-bas. Mais il faut repasser par l'île. Pff, franchement, au bout d'un moment. Bon. Il y a la voiture et un coffre. Passer par l'île. Bon, déjà, je vais te faire des égides parce que. Ouais, bonne idée. Bon, c'est bon pour vous, je me jette dans le vide. Attends. C'est bon. Hop, je vous attends. Bah bon. C'est bon, tu suis. Ok, par là. Suivons. Chobiti. De toute façon, j'ai refait le plein d'égides là. Bah, je vous laisse gérer si vous voulez. Ah, quoique, s'il y a un coffre, il y aura peut-être du loot intéressant. Zéro. Allez, go. Ouais. Chroms. Allez, on a le temps de faire demi-tour. Non, on n'aura pas le temps. On n'aura pas le temps. On n'a pas le temps, c'est fini. Bourdaft avec nous, ah oui. Et j'en avais reclaqué une. Bon bah je vais chercher les camions que vous avez débloqués là-bas du coup. Comme ça on pourra rentrer au camp. Tu as dit qu'il y avait un autre coffre, le signe? Non, j'ai rien dit moi. Je parlais du coffre que t'es sur l'église. Ah d'accord. On va à l'île qui est en face? Ouais. Celle où y a le... Ah bah non, c'est celle où il y a le signe, alors attends... Je pense qu'en haut on a plus ou moins tout fini, hein. Va falloir redescendre maintenant. Il y en a une là. Alors les camions ils sont là... Il y a une île par là, mais oui effectivement... Et ouais, effectivement il faudrait qu'on aille par ici. Bah je vais vous faire celle qui est sur la droite. Je vais vous faire un chemin déjà. Celle-là, oui c'est le phare, on l'a faite. Ouais mais il y en a une... Hop, voilà, alors on est bien, et là on est bien. On retourne au phare et on va à celle qui est à l'est, ouais. Ouais. Là, alors, ça va être bien. Let's go. Nous, on va par ici, hein, c'est ça. Non, par contre, ils sont planqués, c'est con. Ouais, ok, on va être obligé de le poser là.
Et après, on peut aller jusqu'au niveau de la ronce là-bas. Oui, bah tant pis pour lui. Hein. Fuis le croqueur. C'est de l'autre côté. Enfin, on pourrait aller à celle-là aussi, je crois. On l'a faite celle-là. Hein. Celle-là, on l'a faite, ouais. Tu veux bien le poser ou pas? Tu veux pas me poser mon truc là, merci. Ah putain, il y en a qui apparaît. Allez, on relit vite. Vite, voilà. Oh l'enfoiré, il m'a balancé dans les terres. Alors, où est-ce qu'ils sont? Ah mais vous êtes sur cette île là en fait. Coucou. Vous galérez non ou c'est moi? Et c'est un croqueur mec, arrêtez pas de fuir. Du coup l'objectif c'était alors... d'aller sur sur l'île en face là. C'est où j'ai mis un marqueur. Ouais bah c'est ce que j'étais en train de me dire, les marqueurs ils sont différenciés sur la map mais pas Ouais. Il y a pas de plage. Ok, vous êtes prêts? Prêt. Sautons. Hop là. On va vers la ronce. Non, on va vers la droite, on va vers la ronce. Mais il vient d'où lui? Là, tu l'en face, si vous avez vu. Malin. Hop là. T'as déjà relié tous les camions, toi? Bah oui. Vous croyez? Il y avait 2-3 mâts à poser, c'est tout. C'est bien flou comme île là. Dernier. Ah putain, il y en avait un dernier. Digne. Merde. Je crois que je vais me soigner un peu. Ouais, moi aussi je voulais me soigner mais j'ai pas eu le temps. Il restait une dernière petite saloperie dans mon dos. On peut pas cumuler les soins en fait. Cumuler un cooldown une fois que tu l'as utilisé. Ouais, pas les enchaîner comme les égides. Ouais. Il y a un petit truc, ouais. Il y a un petit cooldown. Et il y a un rocher avec une... Ah non, c'est une corde, j'ai cru que c'était un signe dessiné dessus. Ouais, non, il y a une corde, ouais, j'ai vu aussi. C'est vers elle que j'allais quand il y a le petite saloperie qui m'ont chopé. Bon, il paraît qu'il faut traiter. Bah, faut pas te sentir obligé, hein, après tout. Ça t'emmerde. Non. Ouh, ça va être tendu quand même là. Ah non, ça passe. Sauf avec l'autre con qui me charge. Voilà, parfait. Hop. Alors ici on a un camion avec une ronce. Je crois que je vais mourir aussi. Mais ben écoute, on te raisera peut-être. À la vengeance. Allez, la dernière ronce. Hop là. Là il y avait un coffre avec une arme dedans, donc peut-être que vous allez en avoir une ici. Tac tac tac. Je confirme que moi j'ai un marteau. Alors, 174, 196. Après moi c'était du bleu, mais pas beaucoup plus intéressant que le vert en fait. La raquette de tennis était pas beaucoup plus puissante que les armes vertes que j'avais. Bah c'est parce que t'as des armes vertes à deux mains, alors que la raquette de tennis c'est à une main. Ah oui, d'accord. Oh, une Chobiti. T'as vu une Chobiti spectrale? Ouais. Ah mais t'es morte? Bah oui. Bah elle t'a dit je crois que je vais mourir, mais t'as pas dit au secours je suis morte, venez me raiser. Comment tu veux qu'on devine, nous on est... si on rate la notif, on a pas le nez dessus. Bon, du coup, il était où votre loot? Il était là. Alors... Voilà.
je pense qu'il va y avoir moyen de poser un truc genre par ici, puis de choper peut-être un... Il est là-bas, ouais, il est là-bas. Ah ouais, c'est jouable. À peu près juste après cette tronce-là. Ici. Ça passe. Et ça passe. Hop là. Du coup, on a tout terminé. On a tout terminé là. Hein. Pour rentrer au camp. Ouais. J'avais vu des. Des champignons. Ouais, j'ai vu qu'il en restait quelques-uns. Je regarde là, il n'y en a pas. Voilà, j'en ai eu 3. Non, il n'y en a pas ici. Il reste que le camion de livraison. Toutes ces livraisons qui arrivent, ça fait tellement plaisir. Alors, est-ce que on peut améliorer un petit peu notre production d'énergie? Oui. Oh putain, on n'a pas beaucoup de débris métalliques en plus. Allez, démonte-moi ça. Bah, il y en a qui font dodo par terre. Bah oui, on n'avait pas ce qu'il fallait. Oh là là, les pauvres. Tu leur mets un truc? Vas-y, je te laisse le poser. Tu leur mets un dodo, ouais. Et on a plus assez de débris métalliques. C'est tellement la dèche de débris métalliques. Ah, il y a Madame Flynn qui a un truc à nous dire. Ouais, ça arrive, ils sont en train de construire le truc. Le moulin. Cet éther est terriblement agaçant et est très mauvais pour le pelage. Ce n'est pas que ça me dérange de me refaire une beauté, j'adore ça. Mais cet éther, c'est un véritable fléau. Je ne serais pas surpris de trouver l'une de ces ronces prises dans ma belle fourrure si je relâche mon attention. Bon, bien sûr, il n'a pas toujours été là. Des gens sont venus, ils se sont transformés en exécuteurs, puis ils ont créé l'éther. À présent, il occupe la plus grande partie de notre monde, c'est une horreur. Tout ce qui pousse est toxique et nous sommes envahis par les ronces. J'ai hâte que tu nous débarrasses de cette calamité. Je vais leur faire un petit jacuzzi, moi. On a ce qu'il faut. Si on a ce qu'il faut. Alors, je sais pas si on aura suffisamment d'énergie, par contre. Il est où notre relais électrique? Ah oui. Et sinon, la piste de danse, y a pas besoin d'énergie. Et on en a pas fait de piste de danse. Non, on n'a pas fait de piste de danse. Il faut combien d'énergie pour le jacuzzi et d'eau? Aujourd'hui, on a 10 eaux toxiques et 10 électricité. Ah, le jacuzzi, il faut des débris métalliques aussi, on en a pas. On fait une piste de danse, ça consomme juste un d'énergie, ça devrait aller. Alors, on consomme combien d'énergie? 2, 4, 6... 7, 8, 9, 10... Ah non, on consomme déjà 10 d'énergie en fait. On a pas assez pour une piste de danse. Ah, tu l'as faite là, la piste de danse? Bon, ouais, à côté du canapé. Comme ça, il danse et après, il se repose. Comme ça, on peut pas mettre de bunker. Et on s'est fait attaquer pendant qu'on était pas là. Pourquoi c'est toi réparer ces trucs-là? C'est pas possible. T'avais réparé après l'attaque? Bah, il me semblait que j'avais fait le tour, ouais, mais j'ai dû rater ces deux-là. Et tu vois, c'est pas dit quand tu veux la construire, la piste de danse, qu'elle... Si, c'est marqué. C'est marqué, nécessite 1 d'énergie, nécessite 2 d'énergie pour le jacuzzi. Ouais, ouais. Et tu vois aussi après, que on peut la déplacer, si tu veux. Ouais, c'est pas très grave. Tu vois aussi que ça clignote en haut, là. 95 sur 100, ça veut dire qu'on a plus assez de budget pour le fabriquer. Là, normalement, on devrait être bien. Peut-être juste mettre un petit truc de flotte en plus, éventuellement. Industrie florissante. On doit avoir juste ce qu'il faut d'énergie avec la roue. Donc la roue, c'est pas ouf, mais... Par contre, on a peut-être de quoi refaire un nouveau moulin, maintenant. Ouais, on a de quoi faire un nouveau moulin. Alors avec un nouveau moulin, on devrait être bien pour quelques temps déjà. Et on va pouvoir démonter la roue du coup. Reviens là, je veux mon bonus.
Et on va relier ah non, ça, ça c'est le rebours. Directement au relais. Hop là. Il y avait quoi comme bonus intéressant? Alors l'arc sportif, faut qu'on le vende, on a dit, il est trop pourri. Ça, ça va. Hop. 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 C'est bizarre, ça, ça scrolle tout seul là, dans le, l'inventaire, c'est casse-couille. Comme si quand on était deux, le scroll était partagé quoi. Ah. Pourquoi t'as pas d'énergie toi? Ah, parce qu'on a fait le moulin mais qu'il est pas relié. Indeed. Ça joue. Voilà. Ça devrait être mieux là. Du coup, on va aller vendre. Faites-vous plaisir, hein, si vous voulez faire monter de niveau au moins tous jusqu'à l'âge adulte, ça sera bien. Ouais, ouais, ouais. Alors, l'arc sportif tout pourri. Ah non, qui vient danser sur notre piste de danse. Hop hop, on va vendre 2-3 conneries. Ah là, voilà. J'ai pris les 10% d'efficacité de la fabrication. C'est vrai qu'il me reste un renforcement à prendre. On a quoi d'intéressant? Bûcheron, c'est nul. Chance de trouver des objets, on a déjà. Les ennemis touchés s'enfuient, on repousse. Structure du camp, mais ça, je crois que je l'ai déjà. Chance d'obtenir un objet supplémentaire. Ah, c'est pas mal ça. Il est où le petit artisan là? Il est là. Allez. D'ailleurs, t'es que adolescent toi. J'imagine que si Broudaf t'a pas donné plus, c'est que t'as pas plus. Alors, Madame Féline, tu te demandes comment nous en sommes arrivés là. Ça se passe toujours de la même façon, les choses empirent petit à petit. Quand nous sommes rendus compte de ce qui se passait à Holo, il était déjà trop tard. Les exécuteurs avaient forgé une pierre miroir, ils avaient tout compris de la magie de ce monde. Ils étaient trop puissants. Sarao, celle qui était gentille, a tenté de nous aider, mais c'était trop tard, ils étaient trop forts. À présent, nous contentons de rester sur nos îles à attendre que les exécuteurs meurent ou disparaissent d'eux-mêmes. Mais à ton arrivée, nous avons repris espoir. Nous sommes de tout cœur avec toi. C'est gentil. Alors, il va falloir plus d'eau, par contre, là, visiblement. Hop. Ah ouais, là, j'en ai fait passer quelques-uns. Bah ouais, c'est ce que je vois. Placer nos puits. C'est ce que je suis en train de voir, mais je pense qu'il va nous falloir un peu plus de... Un peu plus de d'eau non potable aussi peut-être. Là on en est où en eau non potable? On en produit 10 et on en consomme 2, 4, 6, 8, 9, on va en consommer plus de 10. On en produit plus de 10. Production. Me sort. Non, on en produit que 10. Donc il va falloir qu'on démonte les puits pour récupérer du budget. Construire un de plus comme ça. Construis ou je construis? De quoi donc? L'eau non potable. Ah bah vas-y, vas-y, construis. Je vais m'occuper de relier. Ça prend d'énergie cette chose là. Oui, c'est pour ça que c'est à côté de l'électricité. Bien, bien, bien. On a un raid dans 8 minutes 30. Est-ce qu'il y a un moyen d'explorer une île avant? Je pense, une des autres îles où on est. Il y a peut-être moyen de construire un bunker. Non, on est plein. On est blindé de budget. Mais au moins, il y a tout qui monte tranquillement. J'ai rien sur moi. Je voulais aller jarter les objets à la con qu'on avait qui traînaient là. Genre ça, ça, ça c'est naze, mais on va virer la nôtre, voilà, hop. Ça, un pistolet à clous vert.
7 minutes ça se fait je pense pour explorer une île hein. S'il y a une île qui vous plaît, je vous laisse regarder. C'est le cas à droite. T'as des camions de livraison, etc. Et bah go. Attends, faut que je te retrouve. Ah putain, il m'a viré les catapultes à bombe au normal. On va virer voilà. Le tromblon aussi, les médiocres, le tromblon. Faut que j'équipe autre chose. Oh putain, j'ai que des trucs de merde du coup. Ouais, j'allais faire un peu de ménage moi aussi. Sans vire. Sans vire. Hop. C'est la dèche d'arme à distance hein, pour le coup. J'ai un vaporisateur si tu veux. On est en train de virer des objets. J'ai pitié. Hop, on va prendre ça. Il y avait un tromblon aussi vert. Je le prends. Un pistolet à clous. Il y a des pioches. Catapulte à bombe à eau, très bien. Qu'est-ce qui me reste? Vert, vert, vert. Le vaporisateur de désherbant, on va le virer. Au niveau objet, là. Ouais, hop, c'est parti. Pourquoi tu t'arrêtes au milieu? Bouge-toi. Bah ouais, ouais. Alors, on vire, on a dit ce truc-là. Ok, c'est pas si mal. Ah, crotte. Et du coup, on avait dit quelle île? Celle qui est à gauche? Celle qui est à droite? Celle qui est à droite, bah, en face de moi, là. Mais elle va être un peu loin en traversant les terres. Faut passer par la... Ah oui, par les landes. Par la fabrique. Ah, sinon, celle qui est juste à droite, y a plein de camions. Et du coup, elle est assez proche. Celle-là, là. Oui, bah c'est celle que je disais, mais faut passer par la fabrique plutôt. Ah, je pensais que tu parlais de celle qui était vraiment tout en dessous, là, il y a le Dragor. Bon, ça se fait là, ça se fait avec un truc, voire deux éventuellement. On ne doit pas parler de la même, non, t'es de l'autre côté en fait, je pense. Bah attends, je te rejoins. Ah, je vois beaucoup d'œufs. Celle qui est de niveau 14 là. Ah oui, c'est ça, oui. Elle est faisable celle-là. Oui. Je lâche l'égide. Oui. Vas-y. Oh putain, le truc qui pop direct. Alors faut faire gaffe parce que si on les tue pas, ils peuvent aller attaquer le camp quand ils sont tout proches comme ça. Je vais m'en occuper vite fait. Ah putain, je suis coincé. Les collines verdoyantes. Bien joué. Bon, du coup, c'est dans 4 minutes. Ouais, faut pas traîner. Ici, il y a un petit camion à l'activer déjà. Parce qu'il a du bois. Oula. Il n'y aurait pas un petit plan planqué au bout là? Non, absolument rien. Jeter. Tiens, coup de porte-manteau. Je sais pas si casser les ronces. Ouais, casser les ronces, ça fait gagner une seconde. C'est les ronces qui doivent faire gagner une seconde et les monstres un peu plus. Ça fait longtemps qu'on n'a pas une embuscade d'ailleurs, à mon avis on va tomber sur un truc. Une baratte, parfait. Alors ce camion il fait de la caillasse, est-ce qu'on peut le relier à l'autre? Oui, nickel. Ah, ici il y a plein de champis, plein de champis. Enfin, il fait jour là, le champi. Non, on est juste en soirée. Début de soirée. Mm-hmm. Ah, un autre camion, parfait. D'abord la ronce. Et
Il va falloir qu'on arrête l'épisode peut-être juste avant la raid. Oh, t'as purifié. Quoi, c'est pas bien? Tu voulais le faire, c'est ça? Bah, on a dû taper sur nos ronces quasi en même temps. Ah, c'est trop loin, on peut pas le choper, dommage. Bon bah du coup, on va arrêter cet épisode là. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire. N'hésitez pas, c'est vrai qu'on le dit pas assez souvent, mais allez voir le point de vue sur l'autre chaîne. Celle de 119 minutes si vous regardez ma vision, et celle de Le Signe Noir Game si vous regardez la vision de Broudaf. Sachez aussi que du côté de Le Signe Noir, ça sort toujours en avant-première sur Peertube, donc les liens sont dans la description. N'hésitez pas à aller jeter un œil. Merci à toutes et à tous, et à très vite pour la suite. Bye bye. Bye.